trees and people in the middle of the park, but the treasure's buried beneath years and years of time. Put his hand in my hand and he told me, son, when they all come looking for you, where you gonna run? Your heart's wired up to the eyes in your head, the flashing bright. I was only looking for the treasure in the dark, from the trees and people in the middle of the park, but the treasure's buried beneath years and years of time. Put his hand in my hand and he told me, son, when they all come looking for you, where you gonna run? Your heart's wired up to the eyes. Bon, eh bien, salut à vous les amis, bonsoir aux viewers, qui sont pour l'instant deux. Pourquoi deux viewers? Je n'en sais rien. J'ai fait tourner un petit peu l'info, hein, sur Twitter, sur un petit peu tout. J'espère que voilà, le temps que le jeu se lance, etc. Et puis on va repartir pour une soirée, une folle soirée epicness, band of fucking bitch. Sur notre jeu de Orc Must Die, vous allez voir qu'il est vraiment plutôt sympa. Voilà, donc j'ai tweeté un petit truc, j'espère que les gens vont tweeter aussi, vont retweeter. Voilà, on a StreamView qui a retweeté le live, donc c'est toujours ça. Merci à eux, merci à toi StreamView, pour cette aide toujours un petit peu précieuse. Bon, on va lancer le truc, salut Tom et salut... Asmode, voilà, j'ai lancé le live, on va attendre que les gens arrivent. Je vais lancer le jeu et je vais changer de scène. Voilà, par contre, vous n'avez pas ma face. Why? I don't know. Et en plus, j'ai le truc qui se bloque. Parce qu'elle n'est pas activée. Tu t'actives, la cam. Merci, la cam. C'est quoi ce bordel? Voilà, on va changer de musique. Hein, on va partir sur une musique un petit peu plus epicness bitches, motherfucker. Clac. Hop. C'est bon, ça défile. Voilà. Mais bien, c'est parti, mon kikiness. Yeah. Tu vas te taire, la musique. Voilà, merci la musique. Merci à toi. Bon, alors, j'ai du nouveau contenu téléchargeable. Quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que, pour l'instant, nous sommes pas énormément, mon très cher Asmode. Nous sommes 3 sur le chat. Et peut-être 3 ou 4 viewers sur le live. Bon, c'est plutôt calme ce soir. Les gens vont arriver tranquillement. Pourtant, j'ai fait tourner l'info un maximum. J'ai vu que beaucoup de gens étaient au courant. Mais bon, je ne sais pas, peut-être que ça n'intéresse personne, on verra bien. Bref, c'est pas grave, on va jouer quand même. Il y aura la rediff, comme d'hab. Et donc, je disais que oui, j'ai du contenu téléchargeable. Seule chose que je ne comprends pas, puisque normalement, quand je l'ai acheté sur G2A, le jeu était le pack complet. Donc, normalement, j'avais pas besoin de retélécharger des trucs pour avoir les nouvelles choses. Mais bon, c'est pas grave, tout à fait, ça va arriver à ce mode, je me prends pas la tête. C'est toujours comme ça. Alors, j'ai avancé un petit peu en mode histoire. Vous voyez que je suis qu'à 4 petits... Vous avez compris, hein ? Je suis à 4 niveaux de la fin. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va rattaquer à partir d'ici. À partir d'ici, parce que c'est un niveau assez simple. Et puis on va essayer d'être un peu meilleur. Je dirais même qu'on va attaquer le premier où j'ai pas eu tous les crânes. On va essayer de tous les choper pour faire un maximum de points et récupérer plus de crânes pour avoir encore plus de bonus. Voilà les amis. Donc c'est parti. Je fais juste un truc, c'est que je monte un peu le son de la musique parce que vous m'entendez bien, je pense. Et donc on va se lancer dans le jeu, donc on va se relancer dans le petit mode tunnel, on va faire un petit peu de scoring au début, pour récupérer un maximum de crânes. Par contre il y a presque plus de son du jeu, et ça c'est pas cool parce que le son du jeu est pas mauvais non plus. Salut démoniaque, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as bien mangé, que tu t'es rempli la panse, et que tu es prêt pour de l'épique, pour tout ce qui s'ensuit, et puis c'est éclaté surtout. Par contre j'ai plus du tout le son du jeu. Alors attendez, pourquoi je n'ai plus le son du jeu? Voilà, parce que c'était... Je m'étais trompé. Voilà, j'aime bien avoir le son du jeu un petit peu
Et voilà, donc salut à toi aussi, deuxième Dédé, parce que tu t'appelles démoniaque, donc Dédé, ça te va bien aussi. Bon, j'ai avancé, j'ai plutôt avancé. Ça va, je me suis bien rempli la panse, surtout à midi, j'ai mangé comme un gros. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai avancé et j'ai débloqué de nouveaux pièges et de nouveaux personnages que j'ai pu aussi améliorer. Et vous allez voir que ça dépote pas mal et que ça envoie du pâté lourd. Je vais pouvoir vous montrer ça. Allez, c'est parti, on lance la horde. J'ai débloqué donc les archers elfes qui sont vraiment plutôt bien pratiques. Vous allez voir qu'ils sont vraiment puissants. Oui, j'ai amélioré mes armes, j'ai amélioré beaucoup de choses. Mais j'ai pas fait de vidéo en fait à ce mode, c'est pour ça. J'ai joué un peu en solo, parce que bon, c'est sympa, mais... C'est vrai que j'aurais pu filmer, mais au pire, je referai un personnage que je filmerai peut-être. Voilà, ça se passe comme ça, c'est la guerre, c'est la vie, c'est la loi. Eh oui, c'est moi la loi, tiens le nain, tu vas bloquer. Donc oui, j'ai amélioré mes armes, j'ai maintenant un bâton, en fait une sorte de lance qui est bien puissante. Et quand je tape, en plus, vous voyez que j'ai un bouclier, donc ça, c'est vraiment pas mal, quand même, le bouclier, parce que ça envoie du lourd, ça envoie du pâté lourd, et ça permet surtout de me protéger alors que je suis en train de taper de l'or, quoi. Donc, c'est plutôt pratique. C'est plutôt pratique. J'ai amélioré aussi mon tromblon, et j'ai même, donc, une nouvelle capacité pour lancer, en fait, des boules de feu-feu. Des boules de feu! De la boule bien costaud et qui est plutôt dévastateur, surtout contre les orques de neige, les orques de glace, qui se prennent juste des putains de ronflés grâce à ça. Ah, c'est franchement facile, hein. On va faire tous les crânes, comme ça je vais réussir. Les archers, c'est vraiment une tuerie, hein. Ils font vraiment tout. Et j'ai débloqué aussi donc une... J'ai débloqué un piège qui est plutôt pratique les amis, c'est le piège qu'on met au plafond. Et lui, je l'ai bien amélioré. Et franchement, il envoie du pâté. Alors, le retour de PS2, et ben c'est pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, PS2... Je fais une certaine pause sur ce jeu parce que c'est pas que je le déteste, c'est pas que voilà, mais j'en ai pris tellement plein la gueule que j'aimerais bien un petit peu changer mon fusil d'épaule, c'est le moment de dire haha, mon tromblon d'épaule, et me lancer sur d'autres jeux, style celui-là, style Wildstar, parce que j'ai vraiment envie de m'investir dans Wildstar, et vous faire des petites vidéos. D'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo juste avant le live sur Wildstar, mais vous allez voir un petit peu... de quoi on parle, de quoi je vous parle, et c'est plutôt plutôt sympa. Donc PS2 pour l'instant, on le met de Teco. Voilà, tu vas crever toi. PS2, Planet Side 2. Oh là, la puissance, tu connais. Il peut vraiment pas passer là en fait, hein. C'est une catastrophe pour eux, j'ai même rien à faire, enfin c'est... En même temps c'est un des premiers niveaux du jeu, donc c'est vrai que c'est pas compliqué en soi, hein. Dernière vague en plus. Donc c'est bien, je vais faire un sans faute. Et ça c'est cool. Allez, c'est qui le patron? Voilà. Ça c'est fait, c'était pas bien compliqué en même temps. Hein.
ça fait quelques crânes. Et donc nous, on va retourner au menu campagne. Donc celui-là, c'est bien, j'ai fait un sans faute. Il y avait la traversée aussi que j'avais pas fait de sans faute. Donc on va le retenter pour faire un sans faute. Et ça sort de partout, ces satanées failles. Ne t'inquiète pas. Plus il y a de failles, plus nos pouvoirs seront grands. Si nous unissons nos forces, nous réussirons à repousser les orques. Et après, on se marie et tu nous feras une belle petite armée de bébés mages de guerre. Plutôt t'ouvrir le torse et t'arracher le cœur. Ça s'appelle un râteau. Non, sérieux. C'est l'heure de la surprise. Ah ouais, les archers, ils envoient vraiment du pâté lourd, quoi. Et le truc du plafond, enfin, c'est une horreur pour les orques, ça. On y voit comme à travers une pucelle. Ah non, c'est pas ça. Bonjour, enchanté. Je suis... Ah ouais, mais ça envoie du pâté lourd quand même. Oh là là. Là, les autres sont sortis, mais bon. Tu fais quoi, toi? Merde. Il fait quoi, lui? Voilà. Maintenant, il va les retenir. Salut à toi, Darkest! Comment vas-tu? Depuis la dernière fois. Ouais! C'est l'heure de la charcuterie! Excusez-moi, je passe. C'est assez rapide avec les archers quand même. Ok, ça marche, Darkest. Je parie que tu vas aller grailler un bout. Je parie que tu vas aller manger à la taverne du coin. Avec nos amis les orques. Bonjour. Et c'est le retournement de situation. La blague. Blague. Alors, est-ce qu'on peut caler ça? Non, il n'est pas bien calé. On peut pas le caler. On peut pas le caler. Yeah. Hop là. Alors pourquoi je mets plein d'archers? Parce que c'est dévastateur, les archers. Si j'ai décidé que les mecs ne passaient pas, ils ne passeront pas. De pneus. Ils ont même pas le temps d'avancer. Allez. Eh oui, monsieur. Eh bien, attends les ordres. Y a pas de problème. J'espère que la luminosité du jeu est assez élevée. Parce que c'est vrai que... Putain, ils décochent vachement rapidement en plus les... Allez, parce qu'on est des enculés. Que la tuerie commence ! Trop simple. Ça
qui est fait. Vous pouvez vous pousser quand vous voulez. Allez les archers, faites-vous plaisir. C'est bien calme ce soir, les amis. C'est bien calme. Toi, tu dégages. Trop simple. Bon, allez, on finit cette... Bah, c'est la dernière, en plus, après. Ouais, c'est parti, on a fait une petite armée de... Un crâne. Mes youtubeurs préférés. Alors vous voulez savoir les youtubeurs que je regarde? Alors je regarde déjà en premier lieu un youtubeur que je suis vraiment et je regarde toutes ses vidéos. Vous allez me dire putain mais Desan t'es vachement original, c'est Squeezie. Parce que sa joie de vivre me fait vraiment marrer. Et Cyprien Gaming, vous allez me dire je sors pas du lot, je suis un peu comme tout le monde quoi. Hein, y a beaucoup de gens qui les regardent. Bah moi j'aime bien, parce que j'aime bien leur leur joie, leur bonne humeur, etc. Ensuite je regarde un petit peu quand même Bob Lennon et Fanta, donc je sors pas du lot encore une fois. Alors je regarde pas The Fantasio, donc c'est-à-dire la chaîne sur Minecraft, je regarde pas trop, parce que Minecraft c'est pas trop mon truc. Et je regarde oh merde, Seros, qui est un petit youtubeur bien marrant, qui fait pas mal de vidéos sur des jeux de d'épouvante et d'horreur. Et il me fait bien rire, parce que c'est pareil, il a des réactions au niveau des jeux d'horreur et tout, c'est plutôt rigolo, donc moi j'aime bien le regarder. Et il y a aussi le papa, le tonton, je ne sais plus son pseudo, je suis désolé, je vais vous le dire de suite, parce que ça m'embête de pas m'en souvenir, et vous le connaissez, ça se trouve certainement, hein. C'est Jayas, c'est tonton Jayas, donc j'aime bien. Alors ça fait quelques temps que je l'ai pas regardé, Jayas. Mais j'aime bien ce qu'il fait, c'est plutôt sympa. Et puis c'est complètement différent des autres youtubeurs. C'est vraiment complètement différent, c'est beaucoup plus mature. C'est marrant, hein, c'est un mec qui déconne tout le temps et tout, mais c'est vraiment différent sur certains points. Donc ça j'aime bien aussi ce qu'il fait. Alors, peuvent incendier leur cible. Ouais, on va prendre ça, parce que ça c'est pratique quand même. Merde. Les babioles. Non, moi je veux pas les babioles comme ça, moi. Ça, je l'ai mis à fond. Le garde-nain, il est à fond. Ça, on va l'utiliser à fond aussi parce qu'il est quand même vachement pratique. Et on va se lancer donc dans le horreur la crise cardiaque. Oh, non mais je te jure franchement il est vraiment vraiment marrant ce youtubeur Seros. Ça s'appelle, ça s'écrit S-E-R-O-T-H. La magie inondera de nouveau notre monde. Je vous le conseille. Je continuerai à construire des forteresses, mais les orques sombreront dans toutes les nouvelles failles qui s'ouvriront. Votre mission, défendre chaque faille pendant que j'ouvre la suivante. Dieu accuté, dites bonjour au pied des miens. Donc là, ce sont donc c'est le niveau où je pêche un petit peu, le niveau qui est vraiment pas évident les amis. Mais alors quand je vous dis qu'il est vraiment pas évident, il est vraiment pas évident. Donc tout de suite, je vais aller protéger. Non, non, sort.
tomber le boulet. C'est Rust, tu connais. Alors, Rémi et Tom, bah Tom il est là. Rémi et Tom n'ont pas de chaîne YouTube à proprement parler. Ils font plus donc les lives vraiment sur The Gaming Show. Et vous pouvez les regarder quand ils font des lives d'ailleurs. Hein, je vous invite à les regarder. Mais ils n'ont pas de chaîne à proprement parler en fait. Ok, ça marche. Donc on va les défendre de l'autre côté en attendant. Donc là vous allez voir, ça va être un petit peu plus chaud, hein, ça papaye. C'est parti, lâchez la horde. Donc faut pas que j'oublie, c'est de lire. Tu regardes Vogue. Ça me dit quelque chose, mais. Oui, si, je connais de nom, mais j'ai jamais trop regardé par contre. Ça faut pas que j'hésite à le casser aussi. Ça peut être l'allié de la dernière chance. Alors excusez-moi sur ce niveau, je pense que je vais être pas mal concentré les amis. Voilà, vague suivante, ça se passe de l'autre côté, donc on va les défendre de l'autre côté. Ah, c'est vrai que c'est marrant, Vogue Prod, le peu que j'ai vu, mais oui, je connais. Putain, mais le boulet, le mec, il va trop vite, quoi. Génial, ils vont avoir le temps d'arriver. Allez, 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 allez. Mais merci, je sais. Allez, c'est la guerre, les amis. On va donner tout ce qu'on peut. Alors, n'oubliez pas, jeudi... Ouais, et ce niveau-là, il est vraiment chaud. N'oubliez pas, jeudi, je recommence les lives sur Rome Total War, les amis. Eh oui, on recommence les lives sur Rome Total War. C'est un jeu que j'adore et on va continuer avec les teutons, avec les bretons. Et je vais vous donner de l'épique. Vraiment quelque chose de sympa. C'est promis, juré, craché. C'est sûr, ça sera énorme. En tout cas, ce soir, c'est bien calme. Hein. On n'est pas arrivé aux 25 viewers qu'il y avait avant. Hein. Je suis un petit peu déçu. Putain, vendredi dernier, les amis. Peut-être parce que c'était vendredi aussi. Hein. Faut vraiment que je regarde tout le temps ma map. Voilà, donc là je pense que la défense de ce côté-là est plutôt pas mal. Je pense qu'ils vont les maintenir. Je m'inquiète pas. On va vite aller renforcer de ce côté-là parce que je sais qu'ils vont commencer à arriver. Bon, ce que je vais faire, c'est que moi, Emile, je vais les tuer à partir d'ici. Ok, la boule qui a servi à rien. Et bien sûr, j'ai pas pris le truc pour les soigner, comme un con. Ok, vague suivante, le problème c'est qu'ils disent pas trop par où ça arrive. Ok, c'est par le haut. Je pense que ça va être par le haut et par le bas pour l'instant. Ok. Donc ça déjà, ça veut dire qu'il y a des... Zogre. Oh non, putain, mais je vais trop vite. Je me fais avoir à chaque fois. C'est bon, ils vont le gérer, j'ai fait pas mal de dégâts. Oh putain, je suis con, je l'ai utilisé pour rien.
j'aurais pas dû faire ça. Je vais encore lutter les amis, je le sens. Ok, à plus Darkest. Ah ouais, c'est la semaine, mais pourtant c'est les vacances les amis. Tiens bon le nain, tiens bon le nain. Hey, il y en avait combien là? On dirait plutôt des semi-remorques. Voilà, donc là le problème c'est que ça va s'ouvrir ici. Comme de l'herbe à chat, mais pour orc. C'est de faire pareil de l'autre côté pour les ralentir. Et je vous jure que ce niveau il est vraiment chaud patate les amis. C'est véritablement pas une blague. Ok, ogre de glace, on va le gérer tout de suite, regardez. Ok, vous les gérez les gars. Vous les gérez, vous les gérez, vous les gérez. De toute façon, ils n'arrivent pas autre part pour l'instant. Je pense qu'ils vont arriver de l'autre côté, mais je suis pas sûr. C'est ça. Sauf que là, il est tout seul. Allez, 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 allez. Bon, les amis, là, je suis vraiment très concentré, ma gueule, hein. Fort. Là, vu qu'il est un peu solo, je suis obligé. Puis là, après, il va falloir que je commence à défendre, mais ça va être au milieu. Réellement au milieu. Ouais bah te réjouis pas trop parce que là ça va être chaud. On a un chef ici.
Ah, et puis j'ai pas pris le truc pour les soigner, fait chier. Ah putain, y'a un crâne. Merde, je crois qu'il y en a qui sont passés. Voilà, au moins je sais qu'eux ils pourront les retenir. S'il y en a qui avancent. Ça va être chaud patate, les amis, je vous le dis. Putain, ils sont trop chauds, eux. Merde, il a été les chercher, cet enculé. Ok, c'est maintenant si je peux, c'est maintenant si je peux, c'est maintenant si je peux. Toi, tu restes à ta place. Non, 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 ils sont pas assez nombreux encore. Restez où vous êtes! Allez, 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 allez! Allez, là, on organise la défense que ici, les amis. Putain, un nombre de gardes atteints. Je vous le dis, ça va être très chaud. Hein. Je pense pas que je vais y arriver, mais bon. On va donner tout ce qu'on peut. C'est pas mal en fait de faire la défense ici, je pense. Au centre, direct. Bonne pièce à aller chercher, on va y aller. Vu qu'on a perdu des nains. Quoi, nombre de... Ah mais non, ils sont... Putain, ils ont ressuscité. C'est con, ils ont ressuscité.
Bon, ici on a un petit peu protégé quand même, on va protéger de l'autre côté. Allez, 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 allez. C'est de la performance là que je vous donne, hein. Ce putain, c'est chaud. Il me reste encore 4 vagues. Allez, 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 on va aller de l'autre côté. On y va ! C'est chaud, les amis, c'est chaud. Cool, cool, c'est vite dit, hein. Presque à plaindre les orques. Non, c'est une blague. On va faire pareil de l'autre côté, parce que à mon avis, là, ils vont être un petit peu nombreux. Salut à toi, Jadon. Jadon, on se croirait dans Star Wars. Comment vas-tu, mon ami Jadon? Allez, c'est parti. Laissez-les venir, mais à mon avis, ça va être de plus en plus chaud! Plus en plus chaud. Eh oui, comme des sons, tout à fait. Merde, merde, merde.
Non, pas un, là, non. On tient bon, les amis. Plus que deux... Oh, putain. Fuck. C'est chaud, c'est patate, c'est chaud, patate. Allez, faut qu'on leur fasse la mal un maximum, un maximum. Voilà, ici je sais qu'ils vont prendre très cher. En plus, c'est en flamme, donc s'il y a des... Putain, j'aime pas ces bruits-là. C'est pas bon. Allez, essaye de t'approcher, toi, prends tes couilles, enculé! Merde. Enculé! C'est qui le patron? I believe I can fly. Yeah, my bitch. On a vu la dernière vague, les amis. Ça va pas être une vague de PD! C'est moi que je te le dis. C'est moi que je te le dis! Au moins, s'il y a des orques de feu, ils vont être. Des orques de glace. Des ogres de glace. Ah putain, ils ont pas ressuscité. Ah, c'est mort, j'y arriverai pas, ils ont pas ressuscité. Je pensais qu'ils allaient ressusciter, ils ont pas ressuscité, putain. Ça va être grave chaud, les amis. S'ils ont pas ressuscité, je sais pas comment je vais faire. Vas-y, viens! Ah! Super, la musique! C'est pas du tout ça que je voulais!
Ta gueule la musique, j'avais même pas entendu les amis. Du grand n'importe quoi. J'ai plus d'arme, elle ressemble à rien mon arme. Bitches, merde mon arme. Oui bah je sais qu'un arrière est mort là, je peux plus rien faire. Oui, c'est très bien, bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Putain les amis. C'était chaud patate. Eh bah dis donc, on va se remettre une petite musique sympa. Putain j'ai... Je suis content, j'ai réussi. Alléluia. Bon, c'est bien calme ce soir, je vois que il n'y a pas grand monde, hein. C'est la calme attitude complète, c'est pépère, c'est tranquille, bon, on fait avec ce qu'on a, on fait avec le monde qu'il y a, je vais pas faire le mec un peu dégoûté, mais bon, même si c'est un peu le cas, quoi, c'est cool, voilà, je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus de monde, mais bon, voilà. Est-ce que j'en ai pas une autre? Je vais essayer de retrouver une petite musique sympa. Parce qu'il y en a toujours des sympas. Toujours des belles, il y en a toujours des biens. Oh, il y a de quoi faire là. Il va mettre de la pub, je veux pas de la pub. Ouais, je suis un peu déçu quoi, c'est calme, il n'y a pas grand monde, le chat est un peu die. Mais bon, au moins ça sera pour la rediff pour ceux qui sont sur YouTube, hein. Voilà quoi. Allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le prochain? Parce qu'on est des fous? Ouais. Ouais. Alors barricade, je m'en tape. Les archers, c'est bon, ils sont au max. Mur de pique, ils sont au max. Fais saigner les cibles, ça c'est pas mal parce que ça va leur faire pas mal de dégâts. Allez, on tente. On tente parce qu'on est des fous. On tente. Bon bah ça sera pour vous la rediff les amis. Ça sera pas pour ceux qui sont... Enfin si, un petit peu ceux qui sont sur live, le peu de gens qui sont sur live, mais... Je te trompe. J'ai échoué dans la formation de mes deux apprentis. C'est Tristoun. Toi, je t'ai tellement bien enseigné notre art que tu t'es cru capable de régner sur le monde. Et lui, je ne lui ai rien appris. J'ai peur qu'il devienne comme toi. C'est pas grave, ma beauté compense le reste. Putain, et après ils vont venir d'en bas quoi. Mais comment voulez-vous qu'on gère ça? C'est pas possible. En tout cas, j'adore la musique. La musique est magnifique. C'est impossible à gérer ça. On va faire le contraire, on va faire ça. Ah, je vois rien. Non, ce serait dommage. Hop là, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Non, y a pas grand monde, mon cher ami. C'est bien calme, peut-être parce que c'est la semaine. Pourtant, j'essaye de vous donner du rêve. J'essaye de donner un live sympa, mais bon, quand y a pas trop de monde comme ça, j'ai pas la foi. Faut dire ce qui est. C'est peut-être pas bien, mais en effet, j'ai pas trop la foi. Donc je fais ce que je peux. Je vous donne un petit live sympa, un petit contenu. De toute façon, il y aura la rediff, hein, parce que j'enregistre tout ça. Il y aura la petite rediff sur YouTube pour ceux qui n'auront pas eu la chance de le regarder. Voilà. C'est bien calme, tout à fait. Je pense que je vais pas y arriver celle-ci, hein, c'est...
On va mettre des pics parce que... Je pense que ça va pas trop le faire. Il est costaud le nain. Bien joué le nain. Putain, ça va s'ouvrir en bas. Tac. Ah mais il passe en dessous aussi. Mais c'est une blague ou bien? Qu'est-ce qu'ils font? Non mais c'est pas possible les amis là en fait. Comment vous dire que ce jeu est quand même vachement ingérable ? Quoi qu'ils sont pas passés, n'empêche. Il n'y en a qu'un qui est passé, quoi. Sauf que j'ai rien ni personne pour gérer en bas, quoi. Le troll, tu restes en bas. J'ai dit, tu restes en bas. Putain, quel troll de merde. N'empêche qu'ils tiennent, ces cons. Ah, je pense qu'en fait, ils en voient pas non plus... Le truc de fou quoi, ce qu'ils peuvent pas vraiment hein, parce que sinon... Bah sinon c'est mort quoi. Faites ce que vous pouvez vous hein. Ouais, ils font quand même leur taf, ils font bien leur taf. Je pensais pas qu'ils allaient le faire aussi bien quoi. Bien, 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 bien. Même si là, je sens que ça va attaquer par en bas. Parce que sinon, c'est pas marrant. Même pas, si, un peu, mais... Ça se passe, ça se passe. Salut Louis. Salut Louis 60. Bah c'est maintenant que vous décidez de venir sur le live quoi, pas bien ma gueule. Là par contre c'est pas trop marrant parce que t'as pas un peu là. Putain j'ai tiré dans le vide. Ouais bah attends, avant de lâcher la horde on va... protéger un petit peu plus de ces côtés-là, parce que, à mon avis, ça va commencer à arriver. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon, je pense. Je vais faire du tartare d'orque, tout à fait. Là, je vais un peu au corps à corps, histoire de... de nettoyer ce côté. Qu'ils aient même pas le temps d'avancer. Toi, tu restes à ta place. Aïe! Non, j'ai dit, tu restes à ta place, s'il te plaît. Voilà.
c'est bon, de ce côté-là, je pense qu'ils vont gérer. C'est un moment où ça a passé en bas aussi, j'ai mis aucune défense en bas. Ouais. Ça va commencer à passer en bas. Ah oh putain, c'est les trolls démarrés en plus. C'est pas comme s'ils étaient forts. Ça se passe comme ça, mais bon, c'est un peu chaud quand même, hein. Ok, il faut que je les piège dès l'entrée. Allez, tu cours. Eh bien, j'aurais pas trop été mauvais, en fait. Tu restes à ta place. Le petit kobold là. Merde. Bon, c'est bon, c'est pas grave. C'était le seul. Bon, ben, on a réussi, les amis. Je pensais qu'il allait être plus compliqué que ça, ce niveau. Eh bien, non. C'est cool. Plus de destructeurs de choc. Toile qui lance des éclairs parfaits contre les créatures volantes. Ah, c'est pas mal ça. Ce piège au plafond. Ça peut être utile, mais de toute façon là j'ai plus trop de place. Alors, est-ce qu'il y en a certains qu'on peut augmenter? Lui il a fond. Un truc que j'utilise. Putain, je l'avais pas lui, garde paladin de robuste garde combattant au corps à corps. Bon, on va les prendre. Je pense qu'ils sont plus forts que les nains. Hein. Mais j'avais pas vu que je pouvais en fait prendre tout ça comme un con. Ok, donc les gardes paladins, ça on va les prendre. C'est parti pour la spirale, allez. Ça sera... Ça veut dire que là, il doit être 21h30. Maître, un jour, vous avez dit que j'étais la meilleure. Et c'était vrai. C'est pas la fin. Les gars sont passés. Vous avez raison. Ouais. J'ai fait de mauvais choix. Ces choix appartiennent au passé. Il ne tient qu'à toi de faire les bons. Hey, t'as entendu quand il a dit que c'était moi le meilleur? Apprenti. Youhou! Ouais! Je suis le mage guerrier number one! Dans les dents, la vieille! Ok, ils vont arriver d'un peu partout. Donc là, pour l'instant, ils vont arriver par là. Ils peuvent arriver par là? Putain, ils vont arriver par là aussi après? Non mais... Ah mais attendez, ceci est une blague! Nous allons mettre des paladins, des vrais... Des vrais motherfucking paladins! Faut qu'on concentre la défense au même endroit. Faut pas chercher à l'emmener on ne sait pas où dans des trucs à la con alors qu'on peut pas. Ça déjà, les trucs de plafond, malheureusement on va pas trop pouvoir s'en servir à part ici. Et là, là faut les cloisonner ici. Hein. Ils seront cloisonnés dans cette salle, dans cette putain de salle. Et nous on va défendre ici les amis parce que je pense qu'on peut pas faire autrement en fait. Il faut les cloisonner dans cette salle, ici. Le paladin de l'espoir, le paladin de l'amour. Ah mais je l'ai mis à la place des archers, c'est pas ça que je voulais faire. On réessaye. Ouais, ouais, je me suis trompé. Je viens de m'en rendre compte. Je veux garder les archers et m'enlever les nains. Voilà. On recommence ? On recommence. Vous avez raison. J'ai fait de mauvais choix. Après, il y a une autre porte qui viendra par là. Ouais, pour arriver là. Eh les amis, ça va être chaud. Mais il y a trois côtés, il faut se dire, il y a trois côtés à gérer. Ouais,
Voilà, ici, c'est clair et net. Ils ne passeront jamais. Voilà, bon. Si je me foire, hein. Bonjour. Je vous attendais. Là, je pense qu'ils vont pas arriver par autre part, mais sachant qu'on va avoir trois entrées, oh les enculés, c'était pas prévu ça. Je pense que là-bas ils passeront pas. Putain, les paladins ils sont vraiment surpuissants les amis. Le problème c'est que j'ai pas pris le truc pour... Merde, ils vont arriver de l'autre côté. But ! Tu restes tête. Ok. Donc on va renforcer là-bas. Parce qu'il est un petit peu solo lui. C'est parti. Où ça mène ça? Ah bah en phase 2, c'est parfait. Il y a 12 vagues hein. Ouais bon, tout se ramène par ici quoi. Thank you.
plus de vie. Bon, là, il va falloir qu'on défende un maximum parce que, à mon avis... Regardez, c'est le service de chambre. Voilà, ça va se ramener sévère, ça c'était sûr. Oh putain, regardez-moi ce qui se ramène, quoi. Qui reste en bas, lui. Faut pas qu'il ait le temps de monter, tu ne monteras pas. Culé, tu restes en bas. Sont bien. Là on est bien. Là on est good. On est comme il faut, quoi. On est comme le Gouda. Faut que je me soigne par contre. Compte ici, je vais mettre le dernier rempart au cas où. Les deux derniers remparts. C'est parti. Il a marché dessus sur mes bombes. Ok, c'est bon. Je suis tellement malin et mignon que la tuerie commence. Bonjour, je suis le mage de guerre. Si tu connais ma gueule. Viens voir ce qui s'y passe ici. Tu veux un peu te marrer, tu verras, c'est marrant ici. C'est rigolo! On s'amuse bien! Trop facile. Trop facile! Vous les arrêtez tous autant qu'ils sont, ok? Quoi qu'ici, je sais ce que... Oh putain, tu mettais un trampoline ici, mon gars, c'était nickel. Bababababababab. Allez-y, les paladins. Arrêtez-les. Merde, pas eux. Waouh. Moi, je suis mort.
Ah, aïe. On se réveille à la prochaine de toute façon. Esquive, motherfucker! Lui c'est bien, eux c'est bien parce qu'ils les retiennent. Ils les retiennent, donc du coup on est bien les amis. Putain, le live où je parle pas beaucoup quoi, personne me parle. C'est le live muet, c'est le live où tu regardes et tu ne discutes pas, tu délectes de l'image. Pour tous ceux qui étaient là qui sont sur la rediff, je suis désolé que ça soit calme comme ça. Voilà, donc eux ils sont réveillés, il y a une vraie armée ici. Ça va être la guerre, s'il y en a qui veulent passer, c'est la mort. Et comme moi je suis pas fou parce qu'ils seraient capables de passer, ces enculés. Parce qu'on est 10 sur 12, ça va commencer à envoyer du lourd. Putain, les paladins, c'est cheaté ces trucs là. Voilà, s'ils passent, ils sont morts. Ils passeront jamais. Excusez-moi, je fais juste un truc parce que j'ai plus le live sous les yeux. Pour moi, ça a bugué, d'accord. Autant pour moi, excusez-moi. J'ai juste renoncé la page, c'est pour avoir... C'est pour tout avoir. De toute façon, je suis tout seul en train de regarder mon live. Un truc bien possible. Hein. Mais je ne pense pas, vu que vous êtes connecté sur le chat. Je ne pense pas, j'espère que vous êtes là. Je regarde juste si ça bug pas, excusez-moi. Hein. C'est pour ça que j'ai mis une petite pause. Ça revient. Ça revient d'ici quelques secondes, 3... 2 et 0 seconde. Voilà. Bon, pour moi ça a bugué. Dites-moi si ça a bugué dans le chat. Ah non, ça a pas bugué. Non, j'ai rien dit. J'ai cru que ça avait bugué, mais non. C'est bon. Bon, deux spectateurs, on va aller loin. C'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Super. J'aime la vibes.
Non bah ça marche, Jadon, merci d'être là, moi. Laissez-les venir. Ok, bon là on va mettre le paquet au niveau de la défense. Parce que à mon avis... Putain, je l'avais pas vu. Comment savoir quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Ah, de l'orque. D'accord. Ah oui, là, il commence à avoir de l'orque. Hein. Bah voilà, c'est fini. On a gagné. Putain, on est que tous les deux, quoi. Je... Ok. Là, c'est cool. On organise des lives comme ça, et puis... Bah, de toute façon, putain, ça tue instantanément tout ce qui est projeté dedans. Ah, c'est cool, ça. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là pour 1h30 de live, 1h20, c'est cool. Pour tous ceux qui ont la rediff, bah, tant mieux pour vous. Il me restera plus qu'un seul niveau, je ne sais pas si je le ferai en filmant, pourquoi pas, le dernier niveau de l'histoire de Orc Must Die. Je ne sais pas, je verrai, voilà. Donc, bah, merci à vous pour ceux qui étaient là, merci à vous pour ceux qui regarderont la rediff. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. On verra si jeudi vous serez plus nombreux, parce que là c'est vrai que c'était un petit peu calme. En même temps c'est les vacances, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, par rapport à ce que j'ai déjà connu, je trouve ça dommage. Bref, c'est pas grave, je vous fais des gros bisous. A plus Jadon, surtout à toi qui étais là. Même si les autres apparemment sont connectés au chat, mais apparemment pas forcément sur le live. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous, salut, salut!